Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, je vous présente une réplique de chez Evolution Airsoft, Evolution International. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'avais fait un petit unboxing où j'avais reçu un colis venant tout droit d'Italie. Et en fait, c'était un colis qui m'a été envoyé par la marque Evolution, comme vous voyez à cette boîte. Donc le but de ce partenariat, entre guillemets, c'est que je vais recevoir plusieurs répliques, normalement, de chez Evolution au cours de l'année, et que je vais tester différents modèles, et je dois vous les présenter. Et donc on commence par ce premier modèle. Et pour ceux qui l'ont vu à la vidéo déballage, eh bien on commence avec un genre de PCC. Vous allez voir, c'est très sympa. C'est bien la première fois sur la chaîne qu'on teste du Evolution, et vous allez voir que ça ressemble à beaucoup d'autres marques. Donc la boîte est toute simple, une boîte noire avec le logo Evolution, orange, Evolution écrit dessus, une poignée de transport au cas où vous n'avez pas de mallette pour trimballer la réplique, et sur le côté droit on a une étiquette nous présentant la référence exacte du produit, donc là j'ai la EC64AR-ETS. Comment ça se passe à l'intérieur? Le manuel du MOSFET programmable qu'il y a dans la réplique, et le manuel d'instruction de la réplique, voilà tout simplement. Ensuite on a un couvercle mousse, et voici donc l'intérieur de la boîte. Pour commencer, on va trouver une petite poignée en polymère, poignée type M-Lock qu'on ira fixer sur le garde-main M-Lock de la réplique, un chargeur type 9 mm de 110 coups en polymère, et c'est un mid-cap. Ici on a un ressort, le ressort E120. Alors oui, il faut savoir que d'origine, la réplique est livrée avec un ressort E100 de chez Evolution. Ce sont des ressorts qui tapent pas très fort. Hein. Ici, dans ce petit sachet, on a un cache-flamme orange en polymère. C'est tout simplement pour pouvoir vendre dans les pays qui nécessitent un cache-flamme orange. Quand j'ai reçu la réplique la première fois, elle était assemblée avec le fameux cache-flamme orange. Et dans la boîte, dans ce fameux sachet, il y avait un cache-flamme noir. Donc moi, je l'ai installé sur la réplique, forcément. Ici, on va avoir un sachet de billes. Alors, ce n'est pas fourni avec la réplique, il me semble pas. C'est juste que là, ils me l'ont mis dans la boîte parce que les billes de chez Xtreme, qui sont au passage de très bonnes billes, sont fait tout simplement par Evolution Airsoft. Je les garde pour moi parce que je vous assure que ce sont de très bonnes billes et elles sont pas si chères que ça. Et bien sûr, on a la réplique que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc c'est tout ce qu'on trouve dans la boîte, mais c'est déjà très suffisant. Voici donc la réplique du jour. Le Reaper XSEMR PDW CarbonTech ETS. Oui, c'est un nom qui est plutôt long, comme vous le voyez. C'est une gamme de répliques PCC que Evolution a lancée, et donc ce modèle-là fait partie d'une des 6 autres répliques de la gamme. On reviendra à ça dans la vidéo tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un des modèles que propose Evolution de cette fameuse gamme, et ben Reaper, comme ils l'appellent. Et pour faire simple, moi en fait j'ai reçu le Reaper le plus petit possible avec une crosse PDW, parce qu'il existe aussi ce même genre de réplique Reaper avec une crosse type M4 sur tube. Vous voyez que ça ressemble vraiment à un RP9GG ou n'importe quel autre PCC de n'importe quelle autre marque. Bon, et ben si vous voulez bien, on va parler un petit peu de la réplique en elle-même et de la marque Evolution. Evolution Airsoft est une marque italienne proposant des répliques haut de gamme et originales, telles qu'une série complète de LR300 sous licence ZM Weapons. Profitant d'une grande qualité esthétique et mécanique, ils sont aussi à l'origine de leur MOSFET ETS, qui sont de très bons MOSFET en sortie de boîte. Pour résumer, Evolution, c'est une marque qui a été fondée en Italie et qui est basée à Milan. Et donc, dans cette fameuse usine à Milan, ils fabriquent notamment quelques pièces et garde-main. Ils font notamment le design des répliques Airsoft, comme celle-ci par exemple, que ce soit le corps, le garde-main, etc. Je sais que c'est fait en collaboration avec un designer d'un vrai armurier italien. La gamme que je vous présente aujourd'hui, la gamme Reaper avec le MOSFET ETS, est également assemblée à l'usine de Milan. Elle n'est pas assemblée en Chine, c'est vraiment fait à Milan. Je vous afficherai une petite vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est une petite vidéo présentation de chez Evolution Airsoft. C'est une bonne petite vidéo qui montre comment ça fonctionne chez eux. Bien, et bah écoutez, on va attaquer la réplique. Commençons déjà par le petit manuel, vous allez voir, il est vraiment bien fait. Donc ça, c'est un petit manuel, entre guillemets, qui vous rappelle un petit peu les sécurités, etc. Alors, c'est pas traduit en français, malheureusement. Il y a de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol. Et donc ça, c'est le manuel qui vous apprend entre guillemets la programmation du MOSFET ETS2, donc c'est un de leurs MOSFET qu'ils fabriquent chez Evolution Airsoft. Je sais qu'il existe aussi le ETS3, j'espère que je pourrai mettre la main dessus pour pouvoir tester aussi un MOSFET ETS3. Ça devient comme ça sous forme de dépliant en fait, donc c'est vraiment bien fait parce qu'on va avoir toutes les instructions nécessaires à la programmation du MOSFET. De toute façon, on va le voir dans la vidéo, vous inquiétez pas. Un rappel avec la même chose en espagnol, en italien et en anglais. C'est bien détaillé avec un tableau et les différents modes du MOSFET, donc là-dessus rien à dire, ça c'est bien. De toute façon, je vous l'ai dit, on va le voir dans la vidéo, donc pas de problème. En tout cas, c'est très bien d'avoir mis un manuel papier, même si bon, pour nous français, on n'a pas de traduction en français, mais bon, après l'anglais, on arrivera à s'en débrouiller. Hein. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un AEG standard. Qu'est-ce qu'un AEG? Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. On y met une batterie dans la réplique, le plus souvent c'est dans la crosse, hein, donc là c'est vraiment dans le tube de crosse, on va voir ça après. Ça actionne ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte qui fait remonter un piston, le piston comprime de l'air et l'air comprimé sert à propulser la bille. Donc l'avantage c'est que ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai pistolet mitrailleur. On n'a pas besoin de réarmer à chaque tir, en fait c'est électrique, hein, c'est semi-auto, donc c'est vraiment très
très très bien. C'est généralement ce qu'il y a de plus simple pour commencer l'airsoft, généralement aussi ce qu'il y a de moins cher, ça dépend dans quelle marque et quelle gamme vous vous situez. Mais si vous êtes débutant et vous souhaitez commencer l'airsoft, l'AEG est quand même plus recommandé que le GBBR, hein, parce que bon, le GBBR c'est un peu plus cher et un peu plus contraignant, il faut connaître. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez des tonnes et des tonnes de modèles. Bien, et ben on va commencer enfin avec cette réplique. On va déjà commencer par regarder les marquages, parce que cette réplique a quelques petits marquages, mine de rien, et elle mérite qu'on s'y attarde. Alors déjà, on va regarder un petit peu de près la réplique. Garde-main type M-Lock, hein. C'est pas un vrai M-Lock, mais voilà, on y a le gravage ici du logo Evolution dans le garde-main. Garde-main en métal, hein, on y reviendra après. Sur la réplique, dans le plastique, on a le marquage Evolution avec le logo. À ce niveau-là, on a un petit marquage à la peinture blanche Evolution International, mode Reaper avec un numéro de série. Le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi-Auto. Notez les détails, hein, de la réplique, avec toutes ces petites nervures, etc. Là, c'est vraiment très très sympa en visuel, hein. La poignée pistolet, avec un grip plutôt sympa, mais c'est pas le grip qui accroche le plus que j'ai vu. La crosse type PDW, rien en dessous. Du côté droit, on va retrouver le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi-Auto. Cette partie-là, on va retrouver le logo Evolution avec le gravage Evolution. Un autre marquage blanc, Evolution International, Design in Italy. Le logo Evolution sur le garde-main également de l'autre côté. Sur les organes de visée, est-ce qu'on a quelque chose ? Si on a un marquage R pour Right. En fait, c'est pour la dérive, j'imagine. Pas de marquage sur le dessus, ok. Bon, quelques petits marquages quand même sur la réplique. Est-ce qu'on en a sur le chargeur ? Oui, des marquages sur le chargeur, hein. Donc le nombre de cartouches, j'imagine. 29 cartouches de 9 mm. Donc ce qu'on en a sur les flancs, non, derrière et sous le talon, on n'a rien, ok. Bon, mine de rien, on a des petits marquages très sympas sur cette réplique, hein. C'est pas des marquages licenciés, etc. Parce que bon, cette réplique-là n'est pas une réplique d'armes qui existe réellement. Donc bon, on va dire que c'est des marquages fantaisistes, mais comme ce n'est en soi pas réaliste, ils peuvent se permettre, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est bien. C'est des marquages gravés, non pas peints. Bon, sauf deux où il y a le numéro de série, etc. Mais sinon, pour le reste, c'est du gravage dans le matériau, c'est vraiment très propre. Donc honnêtement, je trouve que les marquages sont assez propres et la finition en soi est plutôt sympa. Bien, passons au contrôle si vous voulez bien. Alors c'est un PCC, ça ressemble beaucoup à un RP9. Commençons par la sécurité. La sécurité sur cette réplique, c'est avec le sélecteur de tir type M4. Ici, il est pas ambidextre malheureusement, vous voyez, il est que du côté gauche. Alors pour les gauchers, bah va falloir vous en passer. Donc le premier cran, c'est la sécurité, on bloque la queue détente. Le cran intermédiaire, c'est le semi, donc le coup par coup. Le cran tout à droite, c'est le full auto ou le burst, on verra ça tout à l'heure avec la programmation. On a une crosse type PDW, réglable sur 4 positions. En voilà une. Pour augmenter la taille de la crosse, on a ce bouton juste en dessous, on appuie dessus. Hop, premier cran. Deuxième. Et le troisième. Et donc le premier, c'était complètement rétracté. Cette crosse, vous pouvez complètement l'enlever si vous le voulez. Par exemple, pour aller mettre la batterie, c'est bien plus rapide. Comment on fait ? Eh bien, c'est tout bête. Sous cette crosse, on a un autre bouton de l'autre côté. On appuie dessus. Et là, on pourra tirer la crosse entièrement. Et vous voyez, on a démonté la crosse du tube. Donc d'ailleurs, le tube, ça va être notre emplacement de batterie. On verra ça juste après. Là, je vous montre déjà les grandes bases. Sous cette même crosse, notez qu'on a un attache-angle type QD juste ici. Donc voilà, en métal. Très bien. Malheureusement, on n'en a pas à l'avant de la réplique. Après, vous me direz, c'est bien parce que déjà, l'attache-angle arrière, certes, il n'y en a qu'un, mais c'est en type 1 point. Et en plus, il est ambidextre, donc on peut aussi bien s'en servir à droite comme à gauche. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, eh bien, ça va se faire ici, avec ce petit ergot type AK, type MP5. On appuie dessus, hop, et le chargeur sort. Le chargeur tombe tout seul, aucune difficulté à insérer ni à l'extraire. Un petit peu de jeu quand même, hein, dans le chargeur, vous voyez. On va revenir à la compatibilité des chargeurs après, pas de problème, hein. Vous voyez, hein, le loquet de déverrouillage est accessible à droite comme à gauche, ça c'est pas un problème. Les organes de visée d'origine, alors ce sont des organes de type flip-up, hop, qu'on pourra relever comme ceci, à l'arrière comme à l'avant. Pour les rabattre, on a un petit bouton de verrouillage juste ici. Vous voyez, on peut pas les rabattre tout seul. Il faut appuyer pour rabattre, tout simplement. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Voilà. L'organe arrière va se régler, lui, uniquement en dérive avec la molette incrustée à l'organe de visée. Et à l'avant, c'est comme un type M4, on peut juste régler la hausse. Donc avec un outil qui n'est pas fourni dans la boîte, malheureusement. Mais les outils type M4 classiques fonctionnent. Hein. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un rail Picatinny sur toute la surface supérieure. Donc ça, c'est bien. On a également un garde-main M-Lock, avec deux ports sur le côté ici. Deux en dessous, et deux sur l'autre face. Juste ici, voilà. Donc on pourra aisément accessoiriser la réplique avec du M-Lock. C'est d'ailleurs pour ça que la poignée vous est fournie, parce que la poignée peut venir se mettre sous le garde-main comme ceci, hein. À vous de voir si vous souhaitez l'utiliser ou non. À l'avant de la réplique, on a un cache-flamme en métal dévissable de 14 mm CCW. Si vous voulez mettre un traceur ou modérateur de son, ce que j'ai d'ailleurs fait pour le test de tir, vous verrez, j'y ai mis un petit traceur. En tout cas, voilà, vous avez un pas de vis 14 mm CCW. Alors attention au diamètre externe de votre traceur ou modérateur de son, parce que le pas de vis se situe à l'intérieur du garde-main, en fait, juste ici. Donc il faut faire attention à ce diamètre-là. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous dis de faire attention quand même. Le levier d'armement est fonctionnel sur cette réplique.
Il va ouvrir la trappe de réglage de pop, mais regardez bien, il ne maintient pas le réglage de pop. C'est à vous de le maintenir pour aller régler le pop, on va voir ça juste après. Mais voilà, le levier d'armement fonctionne bel et bien en tout cas. La poignée pistolet, un détail plutôt important que je voulais vous montrer en fait, elle vous permet d'accéder rapidement à la cage de moteur sans outil. Pour ce faire, on va simplement pincer le dessous de la poignée, hop, et là, juste ici, on accède, et bien vous voyez, au moteur de la réplique. Donc ça c'est bien, j'avais envie de vous le montrer quand même, parce que eh ben, c'est tout simplement un moyen pratique et simple d'accéder au moteur sans aller chercher d'outils nécessaires pour pouvoir le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que sur d'autres répliques, vous avez une poignée avec une vis en dessous pour aller chercher le moteur, et ben là, juste en pinçant les deux extrémités, on pourra basculer le talon de la poignée et puis accéder au moteur. Et sinon, voilà pour les contrôles standards de la réplique, vous voyez que ça reste un genre d'ARP9, n'importe quelle personne peut s'en servir sans trop de soucis, on va dire. Le réglage au pub de cette réplique, alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, tout ce qu'on a à faire c'est accéder ici, on tient le levier d'armement, hop. Il faut maintenir le levier en arrière pour aller régler le pop-up. Et voici notre molette rotative de réglage du pop-up. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais des soupçons comme quoi c'était fabriqué dans les mêmes usines que d'autres marques qu'on connaît bien. Déjà, je sais qu'Evolution utilise les mêmes blocs pop-up que Specna Arms, ESC, Rossi, etc. Pourquoi? Parce que déjà, on s'en rend compte juste en faisant ça. C'est exactement la même molette de réglage, etc. C'est juste qu'elle est de couleur orange. Chez Specna, elle est bleue. Chez Rossi, elle était jaune. Et chez ESC, je crois que c'est marron, mais je suis pas sûr. L'autre détail qui me fait penser à ça, c'est que le faux élément mobile juste ici, là, eh ben, il est gris. Comme chez Specna, comme chez Rossi, etc. C'est pour ça que ça m'a donné un peu la puce à l'oreille. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit chez Specna, etc. Bon, alors c'est pas du tout un mal, hein. Les hop-up de chez Specna et Rossi étaient très 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 performants en sortie de boîte. Et celui-là, ça ne change pas la règle. Vous allez voir au test de tir que cette réplique s'est vraiment bien débrouillée. Moi et Florian, on a été plutôt surpris et ça a fonctionné très très bien. Donc voilà pour réglage hop-up en tout cas. C'est du réglage hop-up type M4 standard AEG. Accessible, pas de démontage, rien, c'est top. L'emplacement de batterie maintenant. L'emplacement de batterie, ça va se faire comme sur l'ARP9, exactement pareil, dans le tube de crosse. Donc le moyen le plus simple pour moi, je trouve, c'est de retirer complètement la crosse. Ici, à l'arrière du tube, on a un petit capuchon qu'on va dévisser. Et là, on accède à la fiche. Tedin d'origine. Oui, la réplique est bel et bien câblée en Tedin, et ça, c'est très très bien. Bah oui, il me semble même que l'ARP9 de base, je suis pas sûr que ça soit du Tedin, je crois que c'était encore du Tamiya. Donc là, on va se démarquer un peu. Alors par contre, l'emplacement de batterie, il est comme l'ARP9 au final, c'est-à-dire que. En soi, il est pas chiant, c'est juste que faut trouver la bonne batterie, quoi. C'est un peu là le défaut de la réplique, parce que, ben, c'est comme l'ARP9, ça reprend le même problème. L'ARP9 de base, c'était la même chose, c'est juste qu'à la fin, ils avaient fini par créer des extensions de tubes pour pouvoir aller loger des batteries plus grandes. On n'a pas grand place, malheureusement, pour mettre une batterie. Moi, je crois que j'en ai aucune qui rentre parfaitement. Je sais pas si ça se voit au test de tir, mais en fait, quand j'ai mis une batterie dans la réplique pour faire le test de tir, eh ben, elle dépassait ici, en fait. Donc, par exemple, au test de tir, j'ai utilisé celle-ci, donc c'est une 11-1 1100 mAh de chez VB Power. Donc en soi elle rentre, hein, vous voyez, hop. C'est juste que ben les câbles dépassent. Sinon au niveau longueur on était bon, c'est juste que ben, malheureusement les câbles ben ils vont pas rentrer quoi. Donc voilà, faut juste trouver la bonne batterie si vous souhaitez vraiment qu'elle rentre à l'intérieur, sinon ben, faut se contenter d'avoir les câbles qui dépassent ou à la rigueur peut-être que les extensions de tube pour ARP9 sont compatibles. Ça c'est une bonne question, tiens. C'est dommage que j'en ai pas parce que j'aurais bien aimé tester. Eh bien écoutez, on va profiter d'avoir une batterie sous les mains pour faire le test au tir à vide comme d'habitude. Alors, vous allez voir que cette réplique a un MOSFET d'origine, je vous l'ai dit hein, c'est le MOSFET ETS2 de chez Evolution. Donc dès qu'on va la brancher, il va la détecter et il va faire un petit bruit. Alors attention, il a fait un bruit, puis on a des petites LED qui sont allumées sous la queue détente. On va regarder la queue détente, et puis on va voir comment ça réagit en sortie de boîte. Le MOSFET ETS2, c'est un MOSFET, entre guillemets, mécanique. Donc c'est pas du MOSFET optique, hein. C'est le ETS3 qui est optique, pour le coup. Par contre, la queue détente, elle est sur contact électronique. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc alors, la queue détente est très filante, hein. On sait pas du tout quand est-ce que le tir va s'effectuer. Je vous l'ai dit, elle est sur contact, ça part d'ici. Et le tir se fait là. À peu près en milieu de course, je dirais pas qu'on est vraiment au fond de la course, hein. La fin de course est là et le tir se fait au milieu. Vous voyez, on a un trigger reset très court. Et que ça marche bien quand même. Qu'est-ce que ça donne en full? Franchement, sortie de boîte, d'origine. Pour le prix qu'elle vaut, on verra ça à la fin, c'est pas si mal. Que détente sur contact, MOSFET mécanique pas optique, mais bon, c'est quand même un MOSFET. Bon, la cadence en full, elle est pas extrême non plus. C'est une cadence moins élevée que le ARP9, c'est sûr, mais on n'est pas au même prix non plus, c'est ça que je veux vous dire. En sortie de boîte, ça fonctionne bien, vous allez voir au test de tir, j'ai pas été embêté. On va maintenant effectuer la programmation du MOSFET. Alors, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc déjà, on va s'aider du manuel. Quoi de mieux que le manuel pour nous indiquer comment faire? Déjà, premièrement, on enlève le chargeur, on tire la dernière bille, et bien sûr, on met une batterie, sinon ça marchera pas. Pour entrer en mode programmation, c'est tout bête, on va utiliser la queue détente. On va aller sur le mode semi, on va appuyer sur la queue détente et on va la maintenir. Regardez bien ici, on va voir une LED apparaître. On maintient.
Voilà, la LED a clignoté. Donc là, on est rentré dans le mode programmation. Donc avec le tableau du manuel juste ici, on va sélectionner les modes qu'on veut utiliser. Alors on va regarder, par exemple, de base, on est sur le mode semi-auto, donc c'est le mode numéro 1. Admettons, on va lui demander le mode binary, le mode numéro 2. Donc pour sélectionner le mode numéro 2, on va presser la queue détente deux fois. Une, deux. On va sur full pour que ça valide notre sélection. Et après, on revient sur semi. Alors à partir de là, vous pouvez continuer de faire de la programmation ou sortir du mode programmation. C'est vous qui voyez. Pour sortir du mode programmation, on va maintenir encore une fois la queue détente 3 secondes. Voilà, donc à ce niveau-là, on revient en sécurité. Ici, on va avoir le mode binary, donc je rappelle, binary, on appuie sa part, on relâche sa part. Un coup, un autre coup. Vous voyez ce que je veux dire? On va retourner en mode programmation. Admettons, je veux un burst de 3 sur le mode full auto. Parce qu'on peut sélectionner un burst de 3 sur le mode semi aussi. Ça, c'est vous qui voyez, hein, c'est dans le tableau. Donc burst de 3 sur full auto, c'est le mode numéro 4. 1, 2, 3, 4. Je valide et je reviens. Je ressors. Voilà. Donc, semi. Et burst de 3. Alors attention, notez que ce n'est pas un tape burst. Il faut maintenir la queue détente pour avoir le cycle complet. Vous voyez que si je fais une simple pression, on a du semi normal. Hein. Faut vraiment maintenir. Voilà. Retournons en mode programmation. Le mode ramping full auto. Alors, c'est le mode numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je valide, je ressors. Le mode ramping, pour qu'il fonctionne, il faut que vous ayez activé le mode burst de 3 ou burst de 5 sur le mode full auto. Vous allez voir qu'en fait, c'est un mode. Si le sélecteur est sur full et vous faites une simple pression, vous aurez votre mode burst de 3 ou de 5 comme vous l'aurez choisi. Et si vous maintenez la queue détente, vous aurez le mode full. Démonstration, semi. Et là, si je fais une simple pression, j'ai un burst. Et si je maintiens la queue détente, voilà, j'ai le full. En fait, ça fait un peu comme une dual stage trigger, mais sur la position full, en fait. Bien sûr, je le répète, il faut avoir activé le burst de 5 ou de 3 au préalable. Donc ça, c'était le mode ramping. Ensuite, bon, on a les modes active braking, etc. Donc ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver si vous voulez. Après, on a le mode reset. Par exemple, si vous voulez revenir à la configuration de base. Semi, on maintient 3 secondes. Et on appuie 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je valide. Voilà, je ressors du mode prog. Et là, j'ai retrouvé ma sécu, mon semi et mon full. Voilà, vous voyez que c'est très simple. La programmation est toute bête. Juste avec la queue détente, vous suivez le manuel, c'est tout. C'est vraiment très très simple. Voilà en ce qui concerne la programmation MOSFET. Alors, est-ce que cette réplique a un changement de ressort rapide? Oui, c'est aussi là le bon point de cette réplique, c'est qu'elle a un changement de ressort rapide. Nous, pour ce faire, ça va se faire à l'arrière de la réplique, au niveau du tube. Donc vous allez voir que pour y accéder, c'est pas compliqué. Donc nous, sur cette version du Reaper avec la crosse PDW, pour démonter le tube, nous, on a juste à dévisser ici, et on va sortir carrément tout le tube. Hop. Ensuite, on va pouvoir retirer cette partie-là. Et pour finir, on aura besoin d'un petit tournevis pour aller chercher la vis dans le fond du tube. Donc là, je suis en train de dévisser la vis du tube. Voilà. Et donc ensuite, ici, on a accès au guide ressort. Et donc là, on pourra sortir le ressort de la réplique. Hop. Et voilà. Donc voici le guide ressort de la réplique. Et bien sûr, le ressort d'origine juste ici. Donc ça, c'est le E100. Et donc je rappelle, hein, ils nous ont fourni le E120 si jamais vous souhaitez augmenter la puissance de la réplique. Pas si compliqué que ça. Il faut quand même quelques outils pour pouvoir démonter le tube et accéder au guide ressort. Mais à part ça, ça va. C'est pas non plus la mer à boire. On n'a pas besoin de sortir la gearbox de la réplique. On n'a pas à la démonter en deux pour pouvoir changer le ressort. Et ça reste un très bon point. Parlons maintenant de la compatibilité des chargeurs. Je ne possède pas moi-même d'ARP9 G&G. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, je sais que c'est compatible. Pourquoi? Parce que mon collègue L'Entrée du Dingo avait reçu un modèle similaire en décembre dernier, où lui, il avait la chance d'avoir des chargeurs d'ARP9, et oui, ça fonctionne. Donc, si vous avez déjà un ARP9 GG, eh ben, vous pouvez utiliser les chargeurs d'ARP9 GG. Sinon, vous pouvez prendre les chargeurs d'origine. Alors, j'ai pas d'infos sur le prix, malheureusement, du chargeur. Si jamais j'ai l'info, je vous l'affiche en bas de l'écran, hein, voilà, ça vous aidera un petit peu. Mais sinon, voilà, sachez que si vous voulez pas vous prendre la tête, les chargeurs d'ARP9 GG fonctionnent avec cette réplique. Donc ça, c'est mine de rien, plutôt, je trouve, un bon point. Petit point que j'avais envie de vous parler, c'était assez important, je trouve. Faut savoir une chose, c'est que cette gamme de répliques que je vous présente, la gamme Reaper en tout cas, la réplique est assemblée en Italie et chaque réplique est testée une à une avant expédition chez un fournisseur. Ça permet aussi à Evolution de contrôler un peu plus ce qui se passe sur leur réplique, hein, plutôt que ça soit assemblé dans des usines en Asie par exemple. Voilà, je tenais quand même à le mentionner que c'est fait vraiment dans leurs locaux à eux en Italie en tout cas. Parlons maintenant des finitions et matériaux de cette réplique. Alors, moi c'est une petite réplique qui m'a pas laissé indifférent honnêtement, parce que je trouve qu'on a quelque chose de
vraiment pas déconnant. La réplique a une grosse majorité de polymère et quelques petites parties métalliques. Donc on va détailler tout cela, bien sûr. On va commencer par le métal, si vous voulez bien. On aura le canon externe et le cache-flamme, le garde-main M-Lock, les organes de visée, le levier d'armement, les tiges de la crosse, la queue de détente, le levier de sélecteur de tir, le mag-catch, le ball-catch, etc. Tout cela est en métal. Le reste de la réplique, donc que ça soit le upper, le corps, le chargeur, la poignée et la crosse en elle-même, ça c'est du polymère. Evolution, ils appellent ce plastique Carbon Tech. Carbon Tech, c'est tout simplement l'appellation de leur plastique. C'est pas un nom qui veut rien dire, c'est du polymère renforcé. Je trouve que Evolution, en tout cas, a un très bon polymère, mine de rien. Ça sent la robustesse et la solidité, c'est pas un vieux plastique qui plie quand on appuie dessus, hein. C'est très très rigide. Je n'ai pas de crainte sur les plastiques de cette réplique, en tout cas. Au niveau finition, assemblage, etc., j'ai pas trop à me plaindre, parce que même la crosse PDW, elle a pas vraiment de jeu, hein, franchement. C'est bien assemblé, c'est bien calé. Le seul gros jeu qu'on voit sur la réplique, en fait, c'est le chargeur. Le chargeur, lui, a quand même pas mal de jeux, mais c'est pas gênant, parce que ça fit bien, quand même. Ce que j'aime beaucoup sur la réplique, eh bien, c'est toutes ces nervures creusées dans le polymère, tous ces petits marquages gravés, etc. Ça rend vraiment très très bien sur la réplique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez. On n'a pas trop de traces de moulage, pas de bavure, franchement, ça reste très très correct. Moi, c'est la première fois que je testais du Evolution. Franchement, je la classe dans la même gamme que Rossi, Specna, etc. On est vraiment sur du milieu de gamme, je trouve. Bon point à Evolution à ce niveau-là. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG. Disposant des modes de tir, sécurité, semi, full auto, burst, binary, etc. Bref, c'est programmable. Elle est annoncée en sortie de boîte à 1 joule, soit à peu près 330 fps avec le ressort E100. Elle fait une longueur minimale de 490 mm contre 580 mm de long maximum. Elle pèse 2200 grammes. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Le diamètre du canon interne est de 6.01 mm d'origine. Elle dispose de rail tactique Picatinny M-Lock d'origine. Son chargeur est un midcap en polymère de 110 billes. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. C'est une gearbox V2 classique. Elle dispose d'un MOSFET intégré ETS2 programmable de chez Evolution. Elle est fabriquée entièrement en polymère renforcé et métal. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Evolution. Autre petit point, tout à l'heure au début de la vidéo, je vous ai dit que cette réplique fait partie d'une gamme de 6 autres répliques. Donc je vous affiche les 6 à l'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Avec le nom de la réplique et chaque référence juste en dessous, si jamais vous cherchez un modèle précis. Donc voilà, je trouve que c'est une gamme assez intéressante. Et donc ils l'ont appelé la gamme Reaper. Je tiens à rappeler qu'Evolution a également fait d'autres gammes, hein, la gamme Ghost, que je n'ai pas encore pu essayer malheureusement, mais que j'espère pouvoir faire un jour. En tout cas voilà. Bon, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chrony et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Ressort E100. Allez, 330 fps de moyenne. Billes secondes, c'est pas mal du tout. Allez, maintenant le E120. On est plus aux alentours des 340-345 fps. Par contre, en cadence, on n'a pas perdu grand chose, on est à peu près à 15 billes secondes. Bonjour stagiaire. Ah, Pitou. Bonjour Pitou. C'est la campagne, hein, c'est. C'est genre en RP9, donc on va voir ce que ça donne. J'allume mon optique de qualité. Puis c'est parti. Hein. Écoutez, ça a l'air de marcher, hein. Oui, ça a l'air de cool. Il claque, hein. Ouais, oui. On y va? Ah oui, c'était la dernière. C'était la dernière. Oui, je sens. Ça marche pas mal, hein? Ouais.
Mais il marche bien. Don't play the Friday. Et bah, il se démerde vraiment pas mal, hein. Et t'as le changement rapide de ressort aussi ? Oui. Moi, c'est ton tout l'ami. Ça arrive, hein. Ça marche du tonnerre quand même. Hein. Alors Florian, le petit Evolution Reaper. Eh ben ça marche. Bah franchement, c'est une bonne surprise. C'est une très très bonne surprise. Franchement, en sortie de boîte, à la 0,25. Pourtant on a un peu de vent, je rappelle qu'on est le lendemain d'une tempête. Oui, c'est vrai. Donc il y a quand même un peu de vent. Et ben, elle fonctionne vraiment très bien quoi. Ça te permet d'avoir une petite réplique sympa, pas trop chère, pour commencer tout ça, ça peut être vraiment sympa. Très très sympa hein, pour le coup. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique ? Eh bien j'ai été plutôt bluffé, vous l'avez vu au test de tir. Franchement, pour une si petite réplique, avec un prix plus que raisonnable, vous allez voir juste après, eh bien elle se débrouille très bien. On a quelque chose qui fonctionne très bien en sortie de boîte, qui a un système de changement de ressort rapide, qui a un MOSFET programmable, et mine de rien, qui dispose d'une très belle finition externe. C'est donc la première fois que je testais du Evolution, eh bien pour une première fois, c'est quand même très satisfaisant. Au niveau des pertes de tir, la réplique se débrouille très bien. À la 0,25, on touche la cible aisément, tout cela en sortie de boîte bien sûr. Donc j'ai fait les tests de tir avec le ressort d'origine, donc le E100, donc celui qui tape à 330 à peu près, je trouve que bah ça y va sans souci, hein, la portée est plutôt bonne, même à 45 mètres, bah franchement elle y va. Alors ça commençait à devenir un peu plus compliqué au niveau précision et groupement, mais on y allait quand même au niveau de la portée, c'est ça que je veux vous dire, c'est-à-dire qu'une cible de taille humaine à cette distance, vous la toucherez sans problème, surtout si vous insistez. Bon point, c'est le petit MOSFET programmable, ça vous permettra de changer les modes, mettre un petit mode binary, un petit mode burst si vous avez envie. Ça augmente la réactivité et la fiabilité de la réplique au final, donc
Moi je dis c'est un plus, hein, surtout quand vous avez une protection de batterie. Le hop-up, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai l'impression que c'est les mêmes que chez Rossi et Specna. Sachant que les hop-up de chez Rossi et Specna, moi je les trouve déjà très bien en sortie de boîte, donc ben, j'ai envie de vous dire c'est le même, hein, clairement, parce que là la réplique elle est vraiment bien la bille. Même de la 0.28, elle a pas de problème à la lever, hein, j'ai testé hors caméra, franchement ça marche bien. Vraiment convaincu en tout cas des perfs de cette réplique. Si vous avez envie d'un petit PCC et moins cher qu'un ERP9, c'est peut-être vers Evolution qu'il faut se tourner éventuellement. En ce qui concerne la finition, moi j'ai bien aimé, franchement. Le plastique est vraiment de très bonne qualité. Il n'y a pas de jeu quelconque, à part dans le chargeur, mais bon, ça, c'est pas gênant, parce que le chargeur fit bien les billes, donc c'est pas le problème. Allez, pour chipoter, le seul petit point négatif que je lui donnerais, c'est comme les RP9, c'est l'emplacement de batterie qui est vraiment trop petit à mon goût. La batterie rentre, certes, mais les câbles, non. Donc, bah, moi, j'en avais aucune qui rentrait, en tout cas. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que, si vous cherchez un PCC ou un RP9 du genre, est-ce que vous prendriez plutôt le GEG, qu'on connaît déjà tous très bien, ou est-ce que vous essayeriez de prendre une réplique moins chère, et vous vous tourneriez vers Evolution. Si toutes leurs répliques fonctionnent aussi bien que ça en sortie de boîte, et ben moi je crois que je vais aussi commencer à m'intéresser à Evolution. En tout cas voilà, c'était une première fois avec Evolution pour ma part, bah c'est déjà une très bonne première fois parce que j'ai bien aimé la réplique. Donc est-ce que je vous conseillerais cette réplique? Oui, clairement, c'est une bonne petite gamme de répliques en tout cas. Parlons maintenant du prix. Alors, le prix conseillé de cette réplique par Evolution, donc j'ai demandé à mon contact qui m'a envoyé la réplique pour vous situer à peu près le prix, eux conseillent la vente de la réplique dans les 270€. Je l'ai vu sur plein de sites italiens, malheureusement je l'ai pas encore vu sur des sites français, alors peut-être que ça arrivera un jour, je sais pas. Sur la plupart des sites italiens, j'ai vu le prix entre 250 et 315€. Alors 315€, c'était un site où je pense que ils vendaient un peu cher toutes ces répliques, je trouve personnellement. Mais la moyenne des prix que j'ai vu, c'était 250 et 260€. Donc voilà en ce qui concerne le prix, au final c'est un bon point mine de rien aussi, parce que c'est pas un prix exorbitant, je veux dire, c'est une réplique milieu de gamme, et à ce prix-là, bah, on a un MOSFET programmable, un chemin de ressort rapide, une très bonne finition, on a quand même une poignée à ressort supplémentaire fournie en sortie de boîte, donc ça reste franchement très très convenable, quoi. Donc voilà, au niveau prix, moi ça me choque pas plus que ça, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Donc voilà en ce qui concerne le prix. Bon, et bien écoutez, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'aimerais remercier vraiment beaucoup Sergio de chez Evolution International qui m'a envoyé cette réplique. Si tout se passe bien, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on devrait pouvoir tester d'autres modèles de la marque Evolution tout au cours de l'année. Donc là c'était la première, on verra bien ce que ça donne, mais bon bah pour l'instant en tout cas ça a été très cool de leur part de m'envoyer un modèle pour tester cette réplique. Donc un grand merci à toute l'équipe de Evolution. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est ce qui vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai ou que je programmerai une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez pas la manquer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est gratuit, ça coûte rien. Et pensez bien à activer la cloche surtout. J'ai une page Instagram où j'y poste des photos, des stories, des posts communautaires. Donc si vous voulez me suivre hors YouTube, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein. C'est ma page Instagram. Donc le lien est en description bien sûr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Si vous avez cette réplique ou vous possédez du Evolution, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous en êtes déçu, si vous en êtes content. Bref, tout est bon à prendre, hein. On est là pour échanger et partager, donc les commentaires sont là pour ça. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette marque et sur ces modèles de Reaper, si jamais vous en possédez une. Donc moi ça m'intéresse grandement de savoir ce que vous en pensez. La vidéo est déjà présente terminée, merci à tous de l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer, de vous reposer si vous restez chez vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.